Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très 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 bien. Ce soir, je vous retrouve dans une vidéo dégustation. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous avez dû remarquer qu'en août, j'ai fait une collaboration avec la marque Tokyo Treat. Ils m'ont envoyé une boîte avec des produits japonais que j'avais testé en vidéo et très gentiment ils m'ont proposé de m'envoyer une nouvelle boîte. C'est la box d'avril, bien évidemment avec le coronavirus. La boîte a mis pas mal de temps à arriver puisqu'elle n'est arrivée que fin mai. Voilà. Et j'avais envie de faire une vidéo dégustation avec vous comme j'avais fait la première fois. Alors j'ai une bouteille d'eau juste là, puisque je ne sais pas trop à quoi m'attendre, même si j'ai un peu triché et déjà regardé ce qu'il m'avait envoyé. J'ai mis la bouteille d'eau pour pouvoir me rincer la bouche au cas. Laissez-moi vous montrer l'intérieur. Manuel. Et voici comment se présente la boîte. Il y a, je crois, à peu près 20 produits, peut-être un petit peu plus, et une boisson également. Tous les liens sont en barre d'infos si vous souhaitez pas commander cette box puisqu'elle ne sera plus disponible. Mais si vous souhaitez en commander une autre, vous avez un code promo également qui se trouve dans la barre d'infos. Maintenant, passons à la dégustation. Alors, dans l'idéal, j'aimerais tester d'abord les produits salés et ensuite les produits sucrés. Malheureusement, je ne lis pas le japonais et heureusement pour moi, il y a un menu avec tous les produits qui se trouvent à l'intérieur. Alors, ça c'est sucré, 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 salé. Apparemment, ce sont des petites billes apéritives, un peu comme du maïs soufflé à l'oignon. Pourquoi pas? Alors, voici à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas des petites billes, hein. Ou alors elles ont peut-être été déformées dans le voyage. C'est plutôt bon à vrai dire. Il me semble que ça existe chez nous en France. Ça a le même goût, enfin le goût est familier donc. C'est pas mauvais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'avais envie de noter les produits que j'allais tester, juste pour rendre ça un petit peu plus amusant. Sur 10, je dirais 6 sur 10. Voilà. Voyons voir. Les chips.
ceux-là sont au fromage et au wasabi. Je suis pas une grande fan de tout ce qui est piquant ou épicé. Donc, écoutez, on va voir. Ça se présente comme des Cheetos classiques. On sent le fromage. À mon grand regret, on sent également le wasabi. Et je ne suis vraiment, vraiment pas fan de cet effet moutarde piquant. Dommage. Si je devais les noter, malheureusement, je mettrais la moyenne, un 5 sur 10. Mais c'est vraiment parce que je n'aime pas le piquant, l'effet moutardé. J'ai bien fait de prendre une bouteille d'eau. Pour ceux qui aiment, je pense que ça pourrait vous plaire. Pour ceux qui n'aiment pas, je vous conseille pas du coup. Bon. Suivant. Des petits gâteaux apéritifs à la pomme de terre et au curry. Désolée, je sens avant de manger, je suis désolée. Car ça ressemble à ça. Je suis pas très fan. Je dirais pareil, un 5 sur 10. C'est pas trop mon truc, les épices. Mais pareil, encore une fois, c'est pas piquant. Mais si vous aimez bien, pourquoi pas. Ceci. Ce sont juste des frites avec du sel. On dirait presque des vraies frites. Ça a même le goût des frites. Alors je sais, vous allez me dire, c'est normal. Mais en France, il y a ça, des frites. Moi j'appelle ça des frites et ça ressemble pas à des frites, ça a pas le goût des frites, mais ça s'appelle des frites, c'est des gâteaux apéritifs. Mais ceux-là ils ressemblent vraiment à des vraies frites, ils ont le même goût. Après ça casse pas trois pattes à un canard, mais si je devais donner une note, je dirais 6 sur 10. Ça, je sais pas si c'est salé ou pas. C'est les turtle crackers. C'est une forme de tortue et je pense que c'est sucré, mais je suis pas sûre. On verra bien, oui, c'est sucré. Je goûterai ça après parce que c'est sucré. Pareil. Je pensais que c'était salé, mais c'est sucré. Je vais ouvrir quand même pour être sûre.
Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Je pensais que ce serait au poisson, mais ils disent que c'est des petits chips, des petits crackers légèrement sucrés, mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Je l'ai déjà ouvert donc. C'est des petits crackers en forme de tortue, sucrés ou caramélisés. Et en effet, je ne sais pas si vous allez voir, ils sont tous suintants de sucre. Je sais même pas quoi en dire. C'est caramélisé, c'est sûr. 5 sur 10. Parce que une fois que le goût du caramel s'évapore, il reste vraiment que la texture croquante. Alors ça, c'est un bonbon gélatineux. Penser aux bonbons Coca-Cola qui piquent, mais celui-là apparemment je vois pas le goût dessus. Ah si, ah non, y a pas de goût. Pour envoyer la l'improviste, ça sent le Coca quand même. Bouteille. Ça a un goût de médicament. Petit. Je dirais 5 sur 10. C'est pas très bon. C'est des mochi frits. C'est salé. Avec la face, ma bêtise, n'est-ce pas? Ça ressemble à ça. Ça a le goût de friture. Vous savez quand des fois vous faites frire quelque chose et enfin, ça a le goût de chapelure. Faites frire quelque chose avec de la chapelure et des fois il y a un bout de chapelure tout seul et que vous le mangez, c'est exactement le même goût. Du coup, je dirais 5 sur 10, c'est ça. C'est du pain dur. Vraiment, vous voyez, quand vous avez un morceau de pain dur et que vous le mangez quand même avec un peu de sel, c'est exactement le même goût. 5 sur 10.
ça je sais ce que c'est. C'est un bonbon banane. Alors à savoir que déjà les natures je suis pas fan. Mais celui-là il y a du chocolat à l'intérieur. Oh my god. Ça sent pas trop une banane. Non mais l'arnaque quoi. Nope. C'est pas bon dans ma bouche. Alors déjà j'aime pas les bonbons bananes. Je lui donne la moyenne parce que voilà. Mais c'est pas très bon. C'est cette marque là je suppose est vachement connue au Japon, ça vient de là-bas, mais ils font beaucoup beaucoup de produits et de dérivés de produits de goût de celui-là. La dernière fois j'en avais eu un nature, j'avais pas été fan. Apparemment celui-là est au chocolat. Alors ça se présente comme ça, c'est très léger. Mais parce qu'à l'intérieur, c'est comme du maïs soufflé. C'est pas transcendant, quoi. 6. 6 sur 10. Vous savez quoi? Je préfère celui-là à ce que nous on a en France. Ce que nous on a en France, ils ont une espèce de poudre sur le dessus et ils sont très 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 sucrés. Alors que celui-là, pas du tout. Il est vraiment léger, il y a un petit goût sucré, mais pas autant que ce qu'on a en France. Ce qu'on a en France, je trouve, ils sont extrêmement sucrés. Celui-là, c'est parfait pour moi qui ne suis pas une grande grande fan de sucre en général. 8 sur 10. Ensuite, alors ça apparemment c'est juste un petit beurre en forme de panda. Et derrière le panda, ils vous mettent les expressions qu'on peut avoir. On va voir lequel chez moi. Moi j'ai le panda smile. Bon, il manque une oreille. Regardez comment c'est trop mignon. C'est le même goût qu'un petit. Mais écoutez, c'est très bon. Je dirais pareil, 8 sur 10. Et maintenant, on arrive aux trois derniers produits que j'ai fait exprès de garder sur la fin. Pour la fin. Et 4 derniers, je pète. On va d'abord essayer.
Il s'agit de Mikado au goût chocolat blanc et fleurs de cerisier japonais. Alors, ce qui est bien comparé aux Mikado en France, c'est qu'en fait ils sont répartis. Il y a au total 4 sachets différents. Très sophistiqué, je trouve. Ça sent le chocolat. Voyons voir. Ça goûte un peu comme la noix de coco, je trouve. Je vais en reprendre un. Premier coup de cœur de cette boîte, c'est super bon. Si je devais noter, je dirais 10 sur 10 vraiment. C'est la première fois, je crois, que je goûte des produits à base de fleurs de cerisier japonais. Je ne savais honnêtement pas que ça se mangeait, mais c'est très bon. Ensuite, la boisson. J'aurais peut-être dû la mettre au frais. Il s'agit d'une boisson, si j'ai bien compris. Essayons. Ouh, ça sent vraiment comme si vous aviez une pêche dans les mains. C'est très très bon. Alors je n'ai pas le japonais, malheureusement je peux pas vous dire s'il y a des colorants et autres, mais on a vraiment l'impression d'avoir du jus de pêche frais. Le goût n'est pas persistant en bouche comme si on avait ajouté des arômes artificiels. C'est sucré mais très légèrement. C'est très très bon. Je donnerai 9 sur 10. Et maintenant, les deux derniers produits que j'avais vraiment envie d'essayer. On va garder les KitKat pour. Trop mignon vraiment.
petits crackers au lait, au caramel et encore une fois la fleur de cerisier japonais. Ça sent le caramel et le lait. Voyons voir. Ça se présente comme ceci, on dirait des petits verres. J'aurais peut-être pas choisi ce... Bah écoutez, je suis déçue. C'est bon, ça c'est sûr, mais c'est pas, ça a goût juste de caramel en fait. C'est dommage. Je donnerais un 6 sur 10, vraiment déçue, vraiment. Comme c'est beau, franchement. Ça m'a toujours étonnée qu'au Japon, il y ait autant de variétés de Kit Kat alors qu'en France, on en a si peu. Les derniers que j'avais mangés étaient au... J'allais dire au mochi, mais c'est la même chose. Vous savez, je les avais testés en vidéo, ils sont verts. Je sais plus trop ce que c'est, je me souviens plus. Et ils étaient vraiment très très bon, mais ça m'étonne qu'en France on n'en ait pas autant. Bon, on peut faire un débat sur pourquoi sur comment. C'est trop mignon. Derrière, vous pouvez même écrire un petit message, par exemple si vous l'offrez à quelqu'un, à votre amoureux, vous lui faites la surprise, ou à votre ami ou à votre famille. C'est trop mignon, vraiment. Je pense que sans surprise, comme la dernière fois, ils ont dû fondre. Ouais. Oh oui, bien, bien. Ils ont bien fondu. Tellement bon. Je suis tellement triste qu'on ait pas ça en France. Ils sont incroyablement bons. Vraiment, si je devais donner une note, ce serait 10 sur 10. Vraiment, waouh. C'est un goût ultra délicat. C'est pas très sucré. Je sais pas comment vous décrire. Il y a un arrière-goût de noix de coco, alors. Pour ceux qui ont déjà peut-être mangé des produits à base de fleurs de cerisier japonais, dites-moi, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un goût de noix de coco, un arrière-goût de noix de coco, ou alors ça doit faire des années que j'ai pas mangé de la noix de coco et je suis en train de vous dire des bêtises. En tout cas, c'est très très bon, vraiment. Je suis espantée, je suis vraiment étonnée. C'était la première fois que je goûtais et j'étais vraiment pressée. Et ben, je ne regrette pas du tout, vraiment. Sans appel, hein, mais je pense que vous l'avez constaté, mais vraiment trois produits préférés, c'est les Mikado, les Kit Kat et la boisson. Vraiment super bonne. Après, pour le reste, beaucoup de déceptions, de trucs qui ont pas de goût, mais bon, encore ça, c'est relatif. Ça se trouve, c'est très goûteux chez eux, et nous, de par notre culture culinaire, c'est des choses qui pour nous n'ont pas de goût. Beaucoup de produits qu'on retrouve en France.
France, comme par exemple le petit beurre en forme de panda, le bonbon en forme de bouteille, ces choses qu'on retrouve en France, qu'on a chez nous. Mais pour les trois produits, les Mikado, le KitKat et la boisson, c'est des trucs qu'on n'a pas. Et c'est dommage parce que c'est extrêmement, extrêmement bon. Voilà. En tout cas, je ne suis pas du tout déçue d'avoir refait un partenariat avec Tokyo Treat. Je les remercie énormément de m'avoir envoyé une box parce que vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir de nouvelles saveurs, des nouveaux produits. Et s'il existait des box pour d'autres pays, les États-Unis, je compte pas parce que j'ai déjà testé, mais des produits, je sais pas, typiques d'Allemagne, typiques de Belgique, d'Espagne, non, parce que j'ai vécu, mais d'Italie, vous voyez, ce serait vraiment cool de pouvoir faire une dégustation des produits typiques. En tout cas, merci énormément d'avoir passé ce petit bout. Mon ventre vous remercie aussi. Merci énormément d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous allez bien et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.